Mais non! Mais c'est pas possible! Et bonjour! Et bienvenue sur ce 39e épisode de Paper Mario The Origami King. On n'y croyait plus après 8 mois! Bordel! 8 mois! Ah, je vous raconte pas que ça a été compliqué de revenir vers ce jeu. Mais après un an, enfin presque un an de galère, on y arrive! Non, je ne l'ai pas abandonné, non, je ne suis pas mort, non, je n'ai pas disparu. J'ai eu quelques obligations et quelques petits coups de pression qui ont fait que j'ai dû stopper un petit peu mes activités, on va dire, de vidéaste. Mais nous y revoilà pour au moins deux épisodes. Après, est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Enfin, ça va suffire, c'est ma façon de parler, mais est-ce que ça va durer? Je l'espère. Donc là, on arrive de nouveau sur l'été. Je suis sur la fin de l'année scolaire, là, pour vous le dire, demain, je vais... là, demain, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je vais être de correction de... D'être de correction de... Enfin, pas de correction, mais de surveillance de brevet. Je ne sais plus comment on joue à ce jeu. Je sais, alors je me mets les touches. Donc, X, c'est pour... voilà... Hop là, donc ça, Y c'est pour les items, B c'est pour le marteau, je ne sais plus comment jouer, tout va bien. Donc effectivement, chercher une source de souvenirs qui se trouvait de l'autre côté pour pouvoir revitaliser notre petit bosé-jereux. Il me semble qu'il fallait passer par la gauche, non, c'était pas par là. Alors... Je ne me souviens plus de... Enfin, je sais vaguement où on s'en était arrêté. On était dans les cieux, pour rappeler, pour ceux qui auraient zappé dans l'épisode. On était dans les cieux. Et notre objectif, c'était d'aller... mais il y a le passage là. Était d'aller revigorer, on va dire, notre comparse d'infortune, qui est Bowser Jr. Nous sommes actuellement accompagnés de Kamek... Et pour cela, il fallait enfin, le regret, l'amener dans plusieurs sources qui nous permettraient de lui redonner sa forme initiale. Et donc j'avais fait un bout du chemin, mais j'étais revenu en arrière pour pouvoir sauvegarder. Ce qui n'était pas forcément la meilleure idée que j'ai eue. Alors, attendez. Là, si j'avais par là, oui, ça a l'air de mener quand même dans la bonne direction. Ça se trouve pas du tout. Oula. Ouf. Donc là, ouh, ouf. Ah. Ok, c'est bon. Ouf, il fait mal. Ok, il y a bien quelque chose là. Ça mène où ça? Ok, ça, on est sur encore un mémo. On en avait eu un il y a au tout début du jeu, je crois. On dirait. Ce qui est assez rigolo, c'est que là, au moment où je tourne cette vidéo, le jeu va bientôt avoir un an. C'est pour vous dire à quel point cette suite de vidéos se fait tarder. Ça, c'est des cotillons. Hop là. J'en ai déjà plein, de toute façon. Ça, c'est un cœur. Alors, c'est juste pour rendre de la vie ou c'est un cœur supplémentaire? Hop là. Je n'arrive pas à le... Ok. Ah! Peut-être faire quelque chose ici. Non, je suis con. Attends, on place le marteau et le marteau. Donc pour gagner un truc de marteau brillant, je suppose. Et enfin, le cœur pour... Je suppose récupérer un peu de vie. Ok. C'est vrai qu'on avait vachement besoin de thunes. Alors, je vais aller chercher quoi? Ah d'accord, faut aller se retaper. Je sais pas ce que je vais chercher. Je dois déplier quelque chose ou... Je dois juste fouiller, attraper. Ah, il y a un coffre. Ok, il y avait un coffre planqué. Qui nous donne un trophée, je suppose. C'est exact. Ni trésor, Bowser Jr. Oh, c'est moi! Je suis vraiment trop mignon quand je suis trop propre, en fait. Je ne sais plus les voix que j'aurais données, donc on va faire vraiment au schnapps. J'ai la flemme d'aller réécouter mes anciennes vidéos pour refaire des voix, donc... Je vais me mettre un peu à l'aise.
J'espère que je vais pas trop m'éloigner du micro parce que je vois qu'il est très sensible en ce moment. Alors là, c'est quoi? Ok. J'étais pas passé par là. C'est-à-dire j'avais dû trouver un bon chemin. Ou alors je sais plus si j'avais été jusqu'au bout du chemin ou si genre je m'étais arrêté au bout d'un moment parce que j'avais suffisamment avancé. Hop, là, donc là c'est d'être un mini trésor aussi. L'invulnérable. Tout début du jeu. Oh merde, j'avais pas fait gaffe que j'avais pas rempli complètement le trou. C'est tout bon. Hop là. Botte de fer légendaire. J'ai déjà eu ça, moi. Est-ce que j'ai déjà eu des légendaires? Je crois pas. On va les mettre à la place de... Ouais, ça. Et en marteau, je vais peut-être mettre un marteau brillant. Attends, mais brillant et chatoyant, c'est mieux, ouais. Ah ouais, si, j'ai des martels légendaires, j'ai même pas fait gaffe. Donc là, j'étais déjà venu là, je crois. Là, attention. Allez, on va se remettre un petit peu... Bon, on va se remettre un peu le système de combat dans la tête. Allez, c'est parti pour les énigmes. Alors, deux déplacements. Deux déplacements. Je pense que c'est... Attends, je pense que c'est ça. Et puis, ceci. Parfait. Donc, on va faire botte de fer. Chatoyant, ça va se suffire un moment, j'espère. J'avais oublié cette démesure, parce qu'entre temps forcément j'ai eu pourquoi je l'ai pas tué celui-là? Merde. J'ai regardé quelques différents trucs passés par là, et forcément quand on vient sur les anciens Super Mario qui ont des attaques qui sont beaucoup moins fortes, forcément. Mais bon, j'ai pas perdu au bout du... Et pourquoi il y en a qui meurent et il y en a qui meurent pas? Je sais pas là. C'est bon. Bon, rien de méchant. Allez, des bottes simples. C'était une idée de merde. J'ai un jeu d'y réfléchir. Bon, merci Kamek qui sauve la situation. Alors. Oh, c'est l'endroit parfait pour une source. Je ne vois. Je sais que le Kimo je l'ai fait quand même. Je n'en vois aucune dans les parages. Je crois que c'est le Goomba ça. Est-ce que le chemin s'arrête vraiment ici? J'ai l'impression de faire toutes mes voix pareilles maintenant, c'est terrible. Alors, déjà on va combler les trous. Là, on peut monter là-haut, mais comment? Il va manquer quelque chose. Pourquoi il y a quelque chose de la veille? Ah! Évidemment. Fallait s'y attendre. Trois vagues! Oui, allez, vas-y. Encore plus. Ouf, trois déplacements. Alors je me doute qu'il va falloir faire quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il faut pour que... Ok, je crois que j'ai... Attends. Mince. C'est plus compliqué que ce que je pensais. Parce que si je fais avancer comme ça... Si je fais avancer dans ce sens-là, l'autre là-bas, il va bouger dans l'autre sens. Parce que clairement, il faut que je fasse le rond externe. Mais là, après, comment je me retrouve? Si je fais ça... On va acheter un peu de temps. Je vais mettre une qu'on a...
On se remet un peu à la réflexion, ça fait pas de mal. Je suis sûr qu'en plus, la solution, il y a toujours des trucs toujours tout con, mais quand on fait pas gaffe. Attends, si je fais ça, si je décale tout. C'est pas une idée grandiose. Hein. Parce que là, en faisant ça. Oh, attends. Je crois que je l'ai. Je crois que c'est ça, justement. Là, j'avance. Et ensuite, ça, je le ramène. Ah, mince! C'était peut-être pas le bon. Je vais essayer. Alors attends. Ils sont écartés de 2. Donc si je mets. Ok, je l'ai peut-être. Je vérifie. Je vais me donner juste 19 secondes, ça devrait suffire. Donc si je fais ceci, que je l'amène là, et mince, il est en face. Il est en face. Mais est-ce que c'est grave? Et non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça ne marche pas. C'est lui qu'il faut que je tourne. Alors là, je suis en train de m'embourber dans un schéma. Quel enfer. Est-ce que je peux juste temporiser 2 secondes avec... Parce qu'idéalement, moi, là, ce qui m'embête, c'est que là, j'ai 2 trucs qui sont pas bons. Attends. Merde, c'est pas ça. C'est pas ça, je vais faire, c'est... C'est juste un Bouddha, des indices, quoi, comme déplacement. Mais 130 balles. Donc ils les ont bien décalés là, mais pourquoi faire? Ah bah oui. Bah oui, d'accord, effectivement, oui. Maintenant ça paraît clair. Excusez-moi si pour vous c'était évident. Là moi. Faut vraiment que je me remette dans le bain du. Dans le bain des énigmes. Allez, la même. Et cela, bah, ton marteau chatoyant. Allez. Ah, tiens. Je suis raté en beauté. Oh bah, fou. Vague suivante. Bon, celui-là devrait être plus simple. Ah non, c'est en déplacement aussi. Je pense que je l'ai. Elle a l'air d'être quand même plus simple. Hop là, beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Hop! Mais pourquoi il n'y en a pas une qui... Pourquoi il n'y en a pas une seule qui meurt? Ça, je ne sais pas. Non, je vais pas cramer le légendaire tout de suite parce que. Oh, quoi que j'en ai 2. Oh, je suis tranquille. Ok, parfait. Mais ça suffit pas, en fait. Ils ont une vie de bâtard. Ouch. Ouf, putain! Ouf, ils font mal.
10 chacun. Ok, ensuite. Hop, hop. Et... Hop. Un simple marteau devrait les terminer. Marteau simple. J'ai un peu raté, mais... Il y avait trois vagues. Il y avait trois vagues. Alors, c'est toujours deux. Alors, deux, ça devrait pas être le bout du monde. Pas le bout du monde, mais c'est quand même sacrément casse-pied, hein. Je suis sur quelque chose là. On est pas dans le bon sens. Ok, tout simplement. Je cherchais quelque chose de beaucoup plus compliqué, mais non, bon. C'est tout simplement ça. Alors, donc ensuite... J'espère que ça repasse, c'est ça, parce que... Ça ne tue pas, hein. Bon, bah, je pense que je vais devoir passer au marteau... marteau légendaire, hein. Mais attends, mais je suis toujours 51. Je faisais 41 avant, je sais plus. Cassette résolue, point par vague, ok. Ok, donc il va lâcher son... Ah mais d'accord, ok, je vais le mettre là. Mais pour attraper quoi? Je sais pas ce que je vais attraper. Non, c'est pour remettre quelque chose au milieu, peut-être. Ça, on va lever le rideau, mais... Ah si, il y a une petite accroche. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce tronc? Ah ah! Un champ. Ok. Qu'est-ce que c'était? C'est ça qui s'est tous ravus? Franchement, j'aurais pas fait autre chose. On dirait une femme corrompue dans les plus fidèles serviteurs de Maître Bowser. Le maître sera ravi de voir ça. J'ai encore modé quelques heures pour lui faire une surprise. En attendant, vous lui invitez ce monstre si vous voulez pas fuir en confetti. Est-ce qu'on a un truc à déplier pour remonter plus facilement, non? Un coup. Rien. R. Oula, une NNJ. Hop là. Ah ouais, encore. Point de sauvegarde. Ok. Donc oui, j'ai oublié de préciser, enfin, vous l'aurez certainement remarqué quand vous aurez la vidéo, mais comme je suis à mon appartement, que je vais bientôt abandonner, malheureusement, je... Donc celle-là, cette vidéo durera 50 minutes. Encore une fois, je suis inopiné. L'état de spa aurait tout intérêt à faire appel au service d'un paysagiste pour mettre un peu l'ordre dans... Ah ! Il y a trois chemins cette fois. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va par là ! Voyons, jeune maître, nous ne pouvons pas me permettre de prendre une décision au hasard. Mieux vaut écouter le vieux Kamek, qui s'est encore jamais trompé. Vous allez rire, mais... Quelque chose me dit que c'est par ici cette fois. Bon, je peux vous assurer que c'est par là.
Par là, par le milieu. Par ici. J'ai essayé, mais non. Shrapnel, Buck, en arrière. Mais non, ça ne marche pas. Alors, de souvenir, elle, elle a dit que de la merde. Ce serait tentant d'avancer, mais je vois pas trop la suite. Je crois que Kamek était pas trop... Allez, je tente Kamek. Mais le bazar, je suis jamais méconçu, tu le bats à chaque fois. Ce n'est pas une coïncidence, ça fait ma confiance. Oui, c'est la voix de la raison. Hein? J'ai compris. Oh. Quelle tristesse. On va se trouver dans un vieux traquenard. Ah! Bah, j'ai envie de dire, c'est de bon augure si je me suis retrouvé là-dedans. Et en fait, on va juste revenir au point de départ. Mais regarde ça, c'est vraiment trop épouvantable! En fait, non, regardez pas, ça fait vraiment fort peur! Ah, donc, à son du bruit que j'entendais depuis tout à l'heure. C'est bon, ça ne pourra pas jeter sans rien sur n'importe qui. Je crois que nous sommes hors de danger. Regarde, il est coincé sur la branche. Il faut mieux de le filer avant que je ne se les coince. Bon, bah, Kamek top tier, hein. En tout cas, sur ses décisions. Sur un terme de decision making. Et on arrive à la source, enfin. Ah, on a l'air d'arriver de l'autre côté. Hé, on est de l'autre côté. Ouf, que soulagement. C'est bientôt l'heure du pain. Oh, mais bon, ça, il y a quelque chose qui me chiffonne, Kamek. Comment se fait-il que tu connais si bien le chemin? Tu ne t'es pas trompé une seule fois. Ouais, comment ça se fait? T'as travaillé avec ta magie, pas vrai? Avec ma magie, jeune maître? Absolument pas. J'ai pris le contre-pied de votre choix hasardeux, tout simplement. Une logique à payer, comme toujours. Faut dire que j'ai une certaine expérience en matière d'évitement de danger. Et alors, si à chaque fois que j'ai choisi une direction, t'as fait le choix contraire? C'est grâce à moi que tu savais qu'il était le bon chemin. Ah, dans les dents, Kamek. Le pauvre. Réduit à se faire mépriser par d'autres compas. Alors l'échelle, est-ce qu'il y en a un... Oula. Ah, on est au pied du grand arbre. C'est la première fois que je vais j'en vois aussi immense. Pas mal, ouais. Et celui-là là-bas n'est pas mal non plus, avec son filet d'eau qui lui sort de tronc. Logique, voudrait que notre source soit plutôt là-bas, non? Pourquoi il y aurait installé une source d'un endroit pareil? Il veut vraiment pas qu'on la trouve ou quoi? Peut-être que si, que nous verrions plus clair en prenant un peu d'altitude. Je crois que c'est quelque chose comme ça, c'était plus hautain. Malheureusement, l'échelle est hors de portée. Les tops du spa ont un sens d'organisation un peu court. Au lieu de faire l'esprit, tu pourrais peut-être utiliser ta logique implacable pour trouver une solution. Genre, il y a quelque chose là-dedans, non? On peut pas monter là-haut. Alors, là-bas derrière, on passe. Il y a des trous. Juste à part ordre d'idée, les trous de la zone, on en est à 45%. Ouais, on a peut-être pas fini. Hein. Attends. Putain, mais il est fat le trou. Encore? Eh ben. Que d'argent. Ça nous mène. Alors là, on arrive juste là. Ding ding ding. Alors ding ding ding. Je sais plus c'est quelle clochette. C'est la clochette pour les. C'est la clochette pour quoi qu'elle active. Il y a un bloc secret. C'est vrai que j'ai récupéré aucun Toad depuis le début. Il y a des Toads dans la zone? Il n'y en a pas. Ok. J'ai peut-être une idée. Un petit mini trésor. Kiosque à tampons.
abandonne un peu. J'ai cramé un peu tous les confettis. Okay. Bottes légendaires encore. Ah non, mais j'ai eu des bottes de fer légendaires. Mais là, c'est des bottes légendaires tout court. Ah, ok. J'allais chercher l'autre que je supposais là. Rends un peu de confettis, s'il te plaît. C'est pas une arme. Je comprends. C'est la feuille qu'il faut taper. Ok. Donc. Les bras multipliés. Hop. Descends. C'est moi qui grimpe, d'accord. Attends, ça a l'air d'aller quelque part par ici. Ok, un coup. Ah d'accord, tous les trois bouchés, très bien. Très bien, très bien. Et là, ça mène où? Un bloc. On va tenir. Champignon chatoyant. Je vais peut-être en utiliser un, vite fait. Attends. Objet. Ouais, c'est un peu champi, ça suffit. Je sais pas pourquoi il me donne autant de champignons pour qu'au final, on soit pas... On est pas en déche de vie, quoi. Alors, par là-bas, y'a quoi? Un bloc. 100% des blocs frappés, très bien. Il reste quoi dans le 100%? Les mini-trésors, donc il reste un coffre quelque part. Oula! Probablement, si c'est capable de grimper aux arbres, on n'est plus en sécurité nulle part. Faut que c'est solide pour un bain chaud, je suis pas sûr que ça vaille la peine. Bravo, Kamek! Bel esprit d'équipe pour prendre les gens à son coup comme ça sans prévenir. Je suis confus, il faut croire que ma langue pratique de la retraite stratégique m'a inculqué certains réflexes indélicats. Mais comme vous me créez bien moins de sucre que mes collègues d'habituel, je vais tâcher de m'améliorer. Ouais, bah d'accord, bon, peut-être pas compliqué, au moins. Bon, si tu veux, on peut dire que c'est moi ton nouvel chef à partir de maintenant, ça te va? Y'a rien à droite. Schlonk, oula, je me fais schlonker de long. Ah! Encore? Putain! Quel enfer! Ouais, bien sûr, oui. Oui, alors, il y a un... Alors, non, l'inertie ne permet pas de faire un saut pareil. Mais c'est pas grave. Ah, je suis désolé, Mario, j'ai tellement peur, j'ai fait sans retourner comme Kamek tout à l'heure. Je suis sûr d'être logique, si tu veux mon avis. En tout cas, la fuite nous a donné des ailes. Grâce aux rocs de Mario, nous voilà, on s'est arrivé à bon port. Je sais plus, ça c'est juste où ça se replie. Ah ouais, grosse source, hein. Source de la jungle, soin de salée sûre et impureté. Ah, des clients! Elle est bienvenue! C'est longtemps que j'ai pas fait de tonne. On est actuellement dans la source de la jungle, réputée pour ses propriétés nettoyantes. Malheureusement, ces vis ne trouvent pas de bouchon. Quoi? Vous voulez rire? Est-ce que vous savez le mal qu'on s'est donné pour venir jusqu'ici? Il est judicieux de mettre un panneau hors service un peu plus tôt dans l'aventure, si vous voulez mon avis. Comment allons-nous faire pour donner un pain au jeune maître à présent? Mario, enfin seulement que nous mettons la main sur ce bouchon. Alors, putain, il est là-haut. Ok. Est-ce qu'on peut aller dans le... Non, on peut pas aller dans le background. Attends, bah toi, il y a le tampon. Bah, des caisses à tampon de notre parcours de Ben Yedd.
Quoique cela est un pote, toute notre source chaude, je vous donnerai une récompense spéciale. Oui, mais je peux pas le tamponner. Ah, mais il faut d'abord te passer. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu fais là, Basquez? Vous n'auriez pas vu un bouchon par hasard? Je le vois nulle part. Mais je sais pas pourquoi, parce que ça me dit qu'il est vraiment tout près. Attends, c'était quoi l'autre Alors, ça, je sens la douille. Si je tire, tu passes quoi? Ouais. Ouais. Et là, sur la gauche, il y a... Bon, je sais pas. Tu vois qui t'a cette île? Non, pas tout de suite. Est-ce que cette île est considérée comme un endroit à part? Non, c'est toujours la source de la jungle. C'est toujours la source de la jungle. Mais il manque un coffre. Je suis tristesse, Oula, pardon, je vais taper dans le micro, excuse-moi. Ben. Mais il n'y a pas un... Mais c'est complètement con, il n'y a pas un bouchon, il y a un fer. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors c'est une grille, je sais pas, mais... Prends! Ouais. Je peux remettre à sa place maintenant. Ah! Legit. J'ai même pas eu à... C'est legit. Merci pour le coup de main! La personne qui s'occupe de ça habituellement peut mettre des semaines à arriver ici. Il ne reste plus qu'à attendre que ça se remplisse. Excusez le petit contretemps. Bon bien. Enfin, je vais pronostiquer un peu ma carrosserie. J'espère que l'eau est pas trop dure. Oula. Ah non, mais ferme les yeux. J'admets, tout va bien. Tada! Alors, comment je suis? Vous êtes rayonnant! Cette source de la jungle fait des miracles! Je commençais à me demander comment les rageurs de père en retrouvant tout grasseux. Ah, c'est merveilleux! Esquis! Délicieux! Ma texture s'affine, je me sens si légère! Certainement, oui. Il faudrait peut-être songer à sortir maintenant. Jeune maître, vos verres n'ont jamais été si vibrants. Niveau jaune et vous rouge, c'est radieux. Remettons-moi en route à présent, voulez-vous? Quoi déjà? Attends, je vais frotter encore un peu pour être encore plus beau. Il récupère la crasse. Il va se noyer ou? Jeune maître, je crois que vous êtes resté assez longtemps maintenant. Il n'y a plus de couleur. Donc quelle frayeur, mais pour lui, ça a perdu sa couleur. J'ai cru que vous étiez un fantôme. Comme c'est fâcheux. Nous sommes dans le temps de main pour un aspect normal et vous voilà réduire à une simple contour. Je me sens pas bien. Très bien. J'ai plus la force de me battre, j'ai même plus la force de me plaindre. Je n'ai plus de force. Voilà qui est fâcheux. Votre énergie est de se dissoudre dans l'eau en même temps que vos couleurs. Ce sera une salissure et impureté, tu disais. Il y a tout de même de limite à pas franchir. Eh bien, on peut pas vraiment le débaigner, je peux dire qu'il va falloir faire avec pour l'instant. Hein. Et sans trouver la source qui nous permette de régler le problème de plissure et les fractures du jeune maître. Et n'oublions pas le tampon! Un mot à l'heure, finissons-en plus vite avec ces bains que je puisse retourner me bagarrer. Ah, oh, j'aurais bien me lâcher un peu dans la source, moi aussi, mais nous les sbires, on est bons qu'à bosser. Nya, nya, nya. Personne me regarde, je vais pas me gêner. Stonk. Ok. Bon, ben, il me manque un trésor. C'est triste, mais il me manque un trésor. D'accord. Oui! Ah, et le pont ne sera jamais réparé.
Je pense que le trésor doit être dans un des une des sorties possibles qu'on n'a pas prises. Mais surtout qu'on peut pas y retourner à la source directement. Attends, est-ce que... Bon. On va chercher une autre source. Faire une balle de zombie. Alors là, on va où? C'est un coup. Je m'en souvenais plus du tout, donc forcément... Alors oui, donc si vous enchaînez la playlist, je tiens à rappeler que... Je n'ai pas joué au jeu depuis 8 mois, donc j'ai quelques lacunes, on va dire, sur le jeu. Ok, donc il faut maintenant que je trouve une autre source. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je ne sais pas, j'ai le droit, je l'ai écrit sur le nom de mon contrat, ça compte quand même. Ah! Objet de légende. Souvenir. Souvenir, voilà, je t'aimais, bon souvenir. Eh ben allez, top du spa, 24 000. Pas plus de 24 000 pièces, ouais. Oh, t'as déjà dépensé plus de 30 000 pièces. Tiens, avec tous les sous que t'as claqué, t'as bien maté une carte de fidélité d'argent. Je viens de dépenser 24 000 juste pour un truc, évidemment, oui. Avant d'acheter autre chose, n'oublie pas de t'équiper ce carte depuis la rubrique accessoires du menu plus. Quand tu dépenses sans compter, tu reçois une carte de fidélité encore plus avantageuse. C'est vrai que j'avais une carte de fidélité de bronze. Je viens de... Attends, pas du tout. 30% de le remise sur les armes. Ah, 30% quand même. Vous avez chargé des effets de tenir ces boutiques, mais ils ont clairement et ça a pas disparu. Alors le deuxième significatif, il va être où? Oh, j'étais en train de tourner dans une petite caisse. C'est ça de mon affaire, merci. Il y avait une caisse. Je sais pas tout ce que j'ai fait. Alors là sur la gauche, ça mène où? C'était... Ah oui, c'est le club VIP auquel on n'avait pas accès. Peut-être avoir tous les tampons pour ça, c'est... Ah, ça s'il vous plaît, j'ai rencontré ma page VIP. Alors attends. Je crois que je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. En tout cas, c'est super sympathique de revenir sur le jeu. Ça fait. Je l'avais laissé de côté. Vraiment, pendant un moment, j'étais en train de me dire bon, je vais jamais arriver à le reprendre, c'est pas possible. Ça va, par se mettre sur ses chaussettes, c'est un paradis pour les matins, ben chaud. Même toi, t'as l'air d'être à l'aise et t'es tendu qu'un mec. À l'aise? Là, j'ai fait la tête. Ah, c'est détendu, absolument. Absolument pas. Je suis entièrement inquiet pour le jeune maître. Tu parles! J'étais en train de fredonner quand j'étais rentré dans l'eau. Ah, ça, c'était un sort pour vous aider à vous détendre. Si, si, c'est la stricte vérité. Toi qui gueule sur le. Infernal. Alors, le deuxième signifie qu'il serait caché où? Que je vois pas où il peut être en fait. Attends. Okay. Est-ce qu'il peut y avoir des tours? Ah, attends. Un trésor ici. Idole de l'esprit de l'eau. Idole. Ah oui, effectivement, c'est dans la tour de la grande tour. Alors là-bas, à droite, je crois que je n'y suis pas allé. Tu fais quoi, toi? D'accord. C'est ton accessoire. Dans la caisse, y'a rien. Là-bas derrière, il y avait. Ça, je crois que ça allait. Oui. Il me semble que je suis déjà venu ici, je vérifie juste. Ouais, ça mène au café. Le café que j'avais fait aussi. Est-ce que j'ai débloqué le tuyau qui me ramenait à la ville? Je sais même plus. Source de la félicité, soit une pliure et plissure. Et dans les caisses de tampons de parcours avec de parcours de baignade. Collection des tampons, tout en sous-sol, de frein, de pas spécial. D'accord, pas de tampons.
juste après. Mais d'abord, on va aller ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Une caisse que je peux pas passer. Il y a plus de vapeur que d'habitude. Ah non, je ne peux pas le sproch. Ah si, il y a une échelle. Elle est bizarre ton eau quand même. Elle est un peu orange. J'ai fini de nettoyer le toit, ainsi que toutes les pièces. Vous voyez comme il brille. Et je peux pas tomber par l'arrière. Pas moyen de tomber pour aller plus vite. C'est par là. Oui, alors pourquoi il fonctionne pas l'autre? Oh bon, j'avais tous empilés. Merde. Oups, déformation pour faire. Ah, il n'y a pas un problème à figure par exemple. Je me mets, j'ai pas très peu lui poser la question. Alors, comment a-t-il ce bleu? Oui, il doit y avoir que le chaud. Je ne peux pas tamponner dans le vrai pack. Alors comment je remets le... Pourquoi il n'y a pas d'eau froide? Pourtant Mario, on devrait pouvoir rajouter de l'eau froide, mais tu crois qu'elle sort par où? Ah, elle est peut-être par... Enfin, pour passer au-dessous. Je vous saisis. Je saisis pas ce qu'on peut faire. Attends. À moins qu'il y ait moyen de passer... Mais là-bas, j'ai l'impression qu'il y a un bloc qui bloque le chemin. Et on peut pas sauter dessus, on peut pas le casser. Là, on n'a pas accès à la tuyauterie. Là, il y a juste les chaînes. Il n'y a vraiment pas moyen de passer de l'autre côté. Alors là, je pense qu'il doit y avoir une connerie au-dessous, mais... On va voir si en passant par là, j'ai peut-être loupé quelque chose auquel j'ai pas fait gaffe. Parce que là, je vois pas de tuyau, je vois pas de... Oui, on va voir la carte. Peut-être la carte peut nous aider. Alors. Le 4, c'est source de la fissité. Puis, je vais peut-être aller à la source 6 du temple. Bon, d'accord, j'ai fait la source de pureté. Donc, on va aller à la source qui est au sud. La pièce était alimentée par la source chaude. Ah d'accord. Je gagne 10 000 pièces comme ça parce que j'ai fait 10 000 parts, très bien. Alors au sud d'ici, qu'avons-nous? La source est déjà là, déjà. Bon, on n'a pas... Soit de froissure et chiffonnage. Allez derrière. Je vais pas nettoyer dans tous les recoins, même ceux qu'on voit pas. T'en fais pas, je tiens le coup. Que t'as fait rentrer à la bagnole, je vais encore faire le ménage. Au moins, ce sens sans suffit, une fois c'est terminé. Qu'y a-t-il ici? Un bloc. 1000 pièces, c'est sûr que c'était vachement ce dont on avait besoin. Hein. Mais bon, prenons. Attends, et si je passe dessus? Je peux pas essayer de monter. Non, je peux pas faire moi. C'est complet, fichez le camp.
Ça n'a pas l'air vraiment plein, hein. Sauf que quelques papiers plats et une origami. On pourrait essayer de se frayer une petite place dans le coin, si tu vois pas, Mario. Et là, ils vont être. Il va y avoir 12 000. Attends, il fait quoi, lui? Sérieux, mais pourquoi? C'est vrai que c'est gratuit en soi. Ah, ouais. On va en vague. Je vois qu'il fait déjà 45 minutes, je pense qu'on terminera ça sur ce combat-là. Alors, 3 déplacements. Oh là là, c'est déjà mal à la... Oh non, ça va peut-être être faux. Ça va peut-être être simple, je crois. Ça va, un simple, on les aligne. J'ai des Goombas en soi, j'ai même pas besoin d'aller chercher un truc... Les bols suffiraient, normalement. C'est bien fait, mais... Ah oui, c'est des Goombas. Bien sûr. Des Goombas de départ. Et c'est eau, j'ai l'impression, c'est le dragon d'eau. Enfin, l'esprit de l'eau. On voit l'autre source là-bas. Bon, bah, de toute façon, appuyez sur X pour gagner, hein. Allez. Pas de Lisa. Hop là, 0 dégâts, on va par vague. Bon bien, hop là, et on se pose. Oh. Bien, moi, tous les endroits ici redonnent de la vie, donc... C'est parti, j'en ai marre d'être frappé comme une vieille pomme. Alors, est-ce que ça marche, maître? Ah, je suis tout défroissé. Impressionnant, vous êtes lisse comme une planche de carton. J'ai les mains toutes fripées, mais c'est tellement agréable. Ouais, plus que le problème des plissures à régler. Vous pourrez bientôt voler de nouveau, jeune maître, encore un peu de patience. Il n'y a pas le temps pour mal. Ah, j'en ai marre de tous ces bains, papa a jamais pris de bain et il s'en porte plus mal. Bon, dépêchez-vous de me conduire à la prochaine source que je puisse retourner me bagarrer. Hop, le temps prend. Je tonque. Bon, mais vous savez quoi? Je pense qu'on va s'en arrêter. J'ai tout tourné à l'envers, j'ai pas le temps de voir ce que t'as lu. Ouh, bande des boss. Je vais m'arrêter l'épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu après toute cette absence, quand même. On se retrouve, bah, normalement je vais tourner d'un deuxième épisode à la suite, donc le deuxième épisode arrivera dans la foulée. Et puis je verrai si par la suite je peux continuer à un rythme régulier, je verrai. Ça se trouve je ne serai plus dans ce cadre-là. Ce cadre-là, habituez-vous à ne plus le voir parce que voilà, c'est le dernier mois pendant lequel j'habite. Puis après je vais devoir déménager, pour des raisons professionnelles. Merci bien d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Je cherche évidemment ma fin, comme d'habitude. Le Twitter qui n'a pas dû être alimenté. Hein, Twitter, attention, Twitter, et hop, ça c'est bon, c'est là. Le Twitter pour avoir les informations, donc ça veut dire, vu qu'il n'y a rien eu depuis des mois, bah, c'est normal, parce que bah, il s'est rien passé. Merci bien d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine, et bah ciao.